La parole est à Ariel Veil, maire de Paris Centre. Rémi Féraud, dans son intervention, a cité évidemment le centre, qui est à la fois illustratif d'une surconcentration en tourisme, en tout cas d'une très grande concentration et d'une très grande et logiquement carence, en tout cas dans une partie du centre, celle qui est la plus touristique, carence en logement et surabondance de meublés touristiques. Et donc, je voudrais le dire, moi, j'avais déjà fait cette intervention au moment où, dans les rangs de droite, on parlait de l'impécuniarité de la ville et parler encore de mise sous tutelle, tiens, j'entends plus tellement ce terme, mais j'avais dit, c'est qu'il y ait de bonne gestion, il est légitime pour la ville d'avoir un certain nombre de revenus, de les demander à l'État, effectivement, au moment où les transferts se sont avérés négatifs et négatifs dans des proportions qui sont très importantes. Alors c'est légitime doublement, c'est légitime d'abord parce que c'est équitable, et c'est légitime parce que c'est de la bonne gestion. C'est équitable parce qu'il n'y a pas de raison que les meublés touristiques qui appauvrissent l'offre en logement, ne finance pas et le logement, et le tourisme qui est un revenu négatif pour la ville, en tout cas de manière directe. Ensuite, parce que c'est aussi une concurrence malsaine, ces tarifs, pour les offres de tourisme, d'offres de logements touristiques qui sont, elles, populaires. Je pense au moins à deux projets qu'on est obligé de financer avec la ville, par exemple à l'hôtel de Fourcy ou à la Nouvelle Félicité, avec ces hôtels pour étudiants, ces auberges de jeunesse, voilà, qui offrent aussi un soutien au tourisme que l'on souhaite. C'était dans le rapport aussi, Nicolas, tu l'as évoqué. Et puis pourquoi cette bonne gestion? Cette bonne gestion parce que, d'abord, cher Vincent Baladi, moi j'ai horreur en tant qu'économiste des formules qui sont discontinues. Et donc ce forfait avec un plafond, vous avez cité des forfaits avec des paliers, oui, mais des plafonds qui sont très bas, il faut les revoir. Et à vrai dire, la meilleure formule, c'est une formule continue, c'est une formule proportionnelle. La proportionnalité est une bonne règle en matière de fiscalité. Elle est plus juste, elle est plus équitable et elle est plus logique, elle est comprise de tout d'ailleurs. Et ça ne vous choque pas quand il s'agit de votre impôt sur le revenu. J'espère que vous avez rempli votre déclaration, c'était ce soir. Logement aussi, c'est aussi de bonne gestion, c'est aussi demain soir, vous avez 24 heures de plus, c'est aussi de bonne gestion parce que, si je l'ai dit souvent, l'investissement dans le logement social crée de la richesse, crée de l'actif, ça ne crée pas de revenus. Ces revenus, il faut les générer quelque part et ça me paraît tout à fait légitime. Enfin, et même mon collègue Sorel de la France Insoumise l'a souligné, il faut faire des benchmarks et quand on regarde les autres capitales du monde, les grandes capitales touristiques, il a cité New York avec ses 15%, eh bien, je ne vois pas pourquoi Paris serait plafonné à 4%. Je vous remercie.